une journée très très importante puisque, on le sait, les mobilisations climat nous portent et portent les politiques, mettent la pression sur les politiques, et c'est important puisque le climat, c'est l'enjeu du siècle, c'est l'enjeu de toute une génération. On doit répondre à ces enjeux-là et on est présent aussi. Ça fait beaucoup beaucoup de bien de retrouver les militants et les militantes du climat. On espère être à la hauteur. On fera tout ce qui est en notre pouvoir, là où on siège, pour peser de tout notre poids pour mettre en place la transition écologique et solidaire. L'importance de la journée. Là, aujourd'hui, c'est la première mobilisation qu'on peut avoir depuis plus d'un an et demi. Et ça fait vraiment plaisir de voir autant de monde devant, derrière, à côté, parce qu'on montre que le climat reste la priorité absolue. Pendant un an et demi, on a dû rester chez nous. On n'a pas pu se mobiliser, on n'a pas pu se montrer, mais on est resté attentif, évidemment. Et aujourd'hui, retrouver la rue, retrouver l'ensemble des citoyens belges qui viennent de partout de Belgique et d'Europe pour se mobiliser, ça fait plaisir, ça fait du bien aussi. Et l'importance de la journée, c'est de montrer que dans les gouvernements, maintenant, il faut concrétiser les choses. Ecolo est dans le gouvernement, il est là pour concrétiser en actes réels. La réaction de la jeunesse. Alors la jeunesse, aujourd'hui, elle est très nombreuse. Ils se sont réunis dans les classes, réunis dans les auditoires, et ils sont dans la rue aujourd'hui. On sait que la jeunesse nous pousse à avancer. Et on doit avancer parce qu'on doit leur donner des réponses aussi. C'est eux notre avenir, mais ils n'auront un avenir que si déjà cette génération-ci est en mesure de décider. Et c'est ce qu'on veut faire avec eux. Alors, vous avez beaucoup de personnes de l'immigration, de la diversité. Est-ce que le message, vous pensez, dans les pays africains, les pays d'Asie, est écouté aussi? Vous savez, l'enjeu du réchauffement climatique, il se pose partout dans le monde. Il n'y a pas de frontières pour l'environnement. Donc le message passe partout. C'est clair que les mobilisations peuvent différer d'un côté à l'autre de la planète. Mais les premières victimes du dérèglement climatique, ce sont les pays les plus vulnérables, ce sont les pays les plus pauvres. Donc forcément, eux aussi se mobilisent, eux aussi attendent que les pays occidentaux se mobilisent et eux attendent des décisions concrètes. On a dans un mois la conférence à Glasgow, il faudra vraiment y aller là-bas. La mobilisation climatique aujourd'hui a son importance parce que le combat contre le réchauffement climatique ne va pas se régler à l'échelle nationale, il va se régler à l'échelle européenne et mondiale. L'Union européenne a un rôle à jouer, elle a adopté des objectifs, mais il faut que les objectifs aillent plus loin, que l'Union européenne renforce la cohérence de ses politiques pour atteindre les objectifs de Paris, les objectifs qui nous sont assignés par les rapports scientifiques. C'est cette direction-là que l'on doit prendre et l'Europe doit aussi jouer un rôle de leader mondial par l'exemple, parce que le dérèglement climatique impacte aussi les pays du Sud. Et nous avons une responsabilité historique vis-à-vis des pays du Sud que nous devons combler. C'est par là que nous marchons et c'est le signal que nous envoyons à tous les niveaux de pouvoir, parce que l'action climatique, c'est l'affaire de toutes et tous. Alors oui, il y a la fameuse exposition du Dubaï, il y a d'autres incohérences mondiales qui génèrent des flux, notamment via le secteur de l'aviation, des flux mondiaux qu'il faut que l'on arrête d'avoir. Et on peut arrêter, notamment en taxant le kérosène. C'est une des politiques que l'Union européenne doit prendre aujourd'hui, la taxation sur le kérosène, et arrêter les subventions dans les énergies fossiles. Il y a encore beaucoup de mesures qui doivent être prises pour que ce débat contre le dérèglement climatique soit réglé. L'importance de la journée. Bah, c'est très important qu'il y ait une mobilisation en faveur du climat. En fait, l'engagement citoyen et l'engagement des jeunes, en fait, il est là pour tenir à la culotte les décideurs politiques. Et pour moi, c'est important d'être ici aujourd'hui pour écouter, pour entendre. Il y a quand même beaucoup de gens qui viennent me parler, me dire ce qui va et ce qui ne va pas. Et je pense que c'est aussi un bon moment pour se nourrir en fait de cette mobilisation citoyenne, y compris de la part des politiques. Alors pour nous, quand on est ici, l'important, c'est l'accès à l'eau aussi. L'accès à l'eau, c'est très important. À Bruxelles, nous avons un cadre régulatoire très strict là-dessus. On va passer bientôt une nouvelle ordonnance cadre sur l'eau qui va instaurer un tarif social. Et donc, il y aura une diminution du prix de l'eau pour 30% des Bruxelloises et des Bruxellois qui ont les revenus les plus faibles. Et puis aussi, on va vers une interdiction progressive des systèmes de coupure. L'eau, c'est vraiment un bien fondamental, c'est pas un produit comme les autres du tout. Et donc, nous avançons dans le cadre régulatoire pour interdire les coupures. Alors aujourd'hui, nous avons déposé 15 000 signatures d'une pétition qui était adressée au ministre du Climat, au ministre de l'Environnement, des régions et aussi au niveau fédéral, pour leur dire, eh bien écoutez, maintenant, on n'a plus le temps de trop passer du temps à réfléchir. Il faut s'y mettre, il faut changer les choses. Et il y a toute une série de mesures qui doivent être prises en urgence, sans quoi nous allons le payer cher et vilain, et jusqu'à la fin de l'humanité.
Plus chaud que le climat, on est plus chaud.